Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on prend soin de la biodiversité. Et pour cela, je vous présente Gabriel Sibyl, directeur de l'aménagement et de l'habitat durable. Et je vous présente Paul Sachaud, chargé de mission en recherche de financement et expérimentation. Cette troisième heure fertile commence sur un thème qui m'est particulièrement cher. On va parler de biodiversité. On va regarder comment, sur le patrimoine d'Est Métropole Habitat, on peut avoir un petit peu plus de biodiversité. C'est un sujet qui est clé, tout simplement parce que c'est un sujet qui nous interpelle sur les liens que nous entretenons entre nous et avec tout le vivant. Paul, tu as arrosé les plantes ? Ouais, je crois avoir arrosé, mais pas forcément avec les bons outils. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on se fasse accompagner par des professionnels. Eh bien, c'est une super idée. On va aller chercher trois jardiniers incroyables. Tout d'abord, Hugues Mouret. C'est qui Hugues Mouret ? Eh bien, Hugues Mouret, il est naturaliste, écologue et directeur scientifique d'Arthropologia. Sinon, un deuxième jardinier ? Ouais, moi je te propose en présentiel, Johan Ratinet. Lui, il est expert chez Sauberco Environnement. Il va nous présenter l'attention portée à la biodiversité tout au long des projets. Et on termine, last but not the least, Jean-Marie Fournier, écologue chez BNAT. Mais qu'est-ce que c'est qu'un écologue ? Eh ben, j'espère qu'il va nous expliquer. Eh ben, on va espérer. Tout ça, que du bonheur à venir pendant une heure. Et ça commence maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sur le fil conversation de Teams. Et nous, on va arroser les plantes pendant ce temps. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. À toi, Hugues. Eh bien, bonjour à tous. Alors, pour introduire ce temps d'échange sur les imaginales, je voulais redéfinir ce que c'était que la biodiversité. Donc, je vais vous présenter ça en quelques diapositives. Alors, tout d'abord, la biodiversité, elle se décompose en quatre composantes, disons trois composantes principales que sont la diversité des organismes, telle que tout le monde imagine, la faune, la flore, les champignons, les bactéries, etc. Mais aussi une composante supérieure qui est les gènes et qui est finalement le moteur de l'évolution sur lequel s'appuient les organismes. Une composante qui est les écosystèmes dans lesquels vivent ces organismes et que composent ces organismes, et transversalement tous les processus écologiques, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, qui sont assurés par ces organismes dans ces écosystèmes. Et ce qui est important de comprendre, c'est quand on parle d'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas simplement la disparition d'organismes, de faune, de flore, etc., mais c'est ces quatre niveaux qui s'écroulent, et notamment les niveaux transversaux qu'on qualifie, quand on regarde ce qu'ils nous apportent, de services écosystémiques. Voilà un panel très rapide, on peut passer là-dessus, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ressemblent des exemples de faune et de flore. Là, c'est simplement ça que vous avez à l'image, on va passer très rapidement. Et puis, bien entendu, il s'agit aussi de savoir à quoi ça nous sert, toute cette diversité, à quoi ça sert d'une manière générale et à quoi ça nous sert si on a un regard plus anthropocentré. Donc là, vous avez un petit tableau qui a été produit par la FAO, l'organisme qui gère l'agriculture et l'alimentation pour l'ONU. Et vous voyez que les différentes fonctionnalités, qui sont des fonctionnalités naturelles remplies par les organismes dans les écosystèmes, sont traduites en services, ce qu'on appelle les services écosystémiques, qu'on distingue en services d'approvisionnement, services de régulation, services culturels et services d'appui. Voilà les différents services, et vous retrouvez évidemment au milieu de tout ça des exemples que vous connaissez, comme la pollinisation, la filtration de l'eau, la production d'alimentation, etc., etc. Alors, quand on regarde la nature dans la ville, on a eu tendance à avoir une nature très abondante dans la ville, et puis au cours du XXe siècle, on a raboté pas mal d'espaces, raboté les friches, raboté les pieds d'immeubles, pour avoir une nature uniformisée, parfois une nature assez stérilisée, assez exotique, quand on ne l'a pas simplement abandonnée. Et pour autant, la nature dans la ville, elle apporte énormément de choses. Alors bien sûr, sur le climat, hein, puisque c'est les organismes par excellence qui sont capables de réguler le climat, du fait qu'ils produisent de l'ombrage, et c'est autant de surfaces minérales qui ne seront pas réchauffées par le soleil, mais elles fournissent aussi de l'évapotranspiration, donc elles vont dégager des centaines de litres d'eau par brumisation et fabriquer une climatisation naturelle. Évidemment, en termes de bien-être, de santé, de paysage, d'attraction touristique, c'est des éléments qui sont bénéfiques pour la collectivité,
mais on peut aussi le regarder vis-à-vis des organismes vivants, parce que les plantes sont le support, et les arbres en particulier, sont le support de vie d'une grande biodiversité, à la fois pour le refuge, pour le gîte, pour l'hivernage, pour l'estivation, pour le site de reproduction, pour l'espace d'accouplement, pour le site de nidification. Et ça fournit tout ça énormément de nourriture. Vous en voyez quelques exemples, des feuilles, des fleurs, des fruits, des racines, des branches, etc. Ce que je veux faire passer dans ce message, c'est que finalement, les arbres qu'on doit planter intensément, qu'on doit replanter intensément dans les villes et aux abords des espaces urbanisés, c'est le seul moyen qu'on a pour limiter un tant soit peu l'embrasement climatique dans lequel on est rentré. Alors, il s'agit de définir qu'est-ce que sont ces plantes. Il y a des plantes sauvages, des plantes indigènes qui poussent spontanément dans un milieu naturel. Donc, c'est les plantes qui vivent naturellement depuis longtemps autour de nous. À côté de ça, vous avez des plantes qu'on a importées, rapportées d'un certain nombre d'endroits, qui sont des plantes exotiques, donc qui viennent d'un autre pays. Et puis, il y a des plantes horticoles ou des cultivars qui, eux, ont été modifiés. Donc, l'horticulture, c'est la culture des plantes. On a sélectionné des fruits, des fleurs, des arbustes, etc. Et puis, les cultivars, c'est la modification d'un certain nombre de ces espèces pour obtenir des fruits plus gros ou des fleurs plus grosses, des fleurs avec plus de pétales, ce qui peut avoir un certain intérêt esthétique, qu'on peut discuter, mais qui, en tout cas, réduit grandement les fonctionnalités écologiques pour la diversité qui pourrait venir s'y nourrir, venir s'y réfugier. Et puis, en dernier lieu, il y a toutes les espèces invasives ou envahissantes qui sont pour une part des exotiques, pour une autre part des indigènes, mais qui sont toujours le reflet d'une perturbation importante des milieux, en sachant que dans un milieu stable et dynamique, il n'y a pas de plantes invasives et qu'en général, elles sont le résultat d'une forte perturbation et elles viennent combler le manque et souvent réparer le problème qu'on leur reproche. Donc, en ville, on s'est mis, comme je l'ai dit, à planter pas mal de choses, mais se pose réellement la question de l'origine de ces plantes et de la fonctionnalité qu'elles remplissent. Est-ce que ce sont vraiment de la nourriture intéressante pour la faune et pour la flore, ou est-ce que, à contrario, ça remplit remplit des problèmes de fonctionnalité, des problèmes d'accès aux pièces florales, par exemple? Voilà des exemples très courants aujourd'hui de prairies mellifères, de prairies apicoles, de jachères pour les abeilles ou pour les papillons qui sont vendues abondamment dans les jardineries et qui sont essentiellement composées de fleurs, premièrement, alors que ce qui domine une prairie, ce sont des graminées, les herbes, les fétuques, etc., les régras, c'est ça qui domine largement en nombre, et on a les fleurs qui sont disposées en patch. Or là, vous voyez bien que c'est un tableau infini de fleurs qui n'a finalement pas grand sens écologique, d'autant plus que cette prairie n'est pas stable, elle ne pourra pas se ressemer et chaque année, il faudra à ce moment-là replanter, ressemer, sinon la nature reprendra ses droits et il sortira de cette prairie une prairie naturelle, mais qui ne ressemblera pas du tout à ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire un mélange de fleurs modifiées, un mélange de fleurs exotiques. Donc, pour expliquer un petit peu en termes d'arbres, le problème qu'on trouve dans les villes, c'est qu'on a essentiellement des exotiques, comme je vous l'ai dit, mais essentiellement aussi des conifères. Et les conifères en France en plaine, si on se soustrait du sud et de la montagne, eh ben le seul conifère indigène, c'est l'if. C'est-à-dire, chaque fois, vous voyez des cèdres, des thuyas, des cyprès, des sapins, des pins, etc. Ce sont des espèces exotiques. Donc, elles ont un intérêt, seulement quand elles sont plantées en masse, eh ben elles ne peuvent pas remplir des fonctionnalités très intéressantes pour la faune. Par contre, elles prennent la place d'autres végétaux et elles ont tendance à acidifier le sol et à finalement fournir assez peu de contreparties intéressantes pour la biodiversité, même pour l'ombrage d'ailleurs, puisque ce sont souvent des plantes qui ont réduit leur surface foliaire pour limiter pour pouvoir résister en tout cas à la chaleur et à la sécheresse. Et donc c'est l'inverse qu'on attendrait dans une ville, c'est d'avoir des plantes qui produisent un gros ombrage et une grosse évapotranspiration pour modifier le climat, ce qui n'est pas du tout le cas des conifères. Voilà quelques exemples. Bon, là, on peut les défiler rapidement. Vous voyez un parc de la métropole de Lyon qui est, comme c'est courant, comme on en trouve de partout, sur lequel poussent des conifères depuis des dizaines d'années. Et donc, le sol est complètement stérilisé puisque vous avez une couche de plusieurs dizaines, plus de 10 cm d'aiguilles de pin. Et le sol est acidifié et il n'y a pratiquement plus rien qui peut pousser là-dessous. Quand c'est un petit peu moins vieux, on a quand même un petit peu de régénération. Malheureusement, on a tendance à importer beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes,
Si elles étaient mélangées aux indigènes, on pourrait avoir un effet de dilution. Or, l'exemple qui s'affiche là, il est un tilleul argenté. Donc, c'est le cas pour Tilia tomentosa, le tilleul argenté qui est largement planté, mais c'est le cas pour d'autres tilleuls asiatiques. Celui-là vient de Crimée, d'autres peuvent venir d'Asie, comme le tilleul Euchlora, etc., qui ont la particularité, en cas de stress hydrique, de couper leur robinet à nectar. Et donc, les insectes viennent de loin. Quand on en a 100 ou 200 qui sont plantés au même endroit, comme c'est le cas dans certaines grandes avenues de grandes villes ou sur des parcs, sur des places, et les insectes viennent chercher une nourriture qui n'existe plus. Ils sont encore attirés par les pétales, encore attirés par l'odeur, mais il n'y a plus de nectar disponible. Du coup, ils s'épuisent à chercher de la nourriture et finissent par mourir. Et ça, on le sait depuis une vingtaine d'années, qu'il y a au moins les abeilles mellifères, les bourdons, et au moins 250 espèces d'insectes en France qui peuvent en pâtir. Mais malgré tout, on continue à les planter abondamment. C'est quand même assez dommage. Puisque pour autant, nos tilleuls sont particulièrement performants. Donc vous voyez là un phénomène de régénération sur des balmes, des zones pentues qui sont plantées, sur lesquelles tout un tas d'organismes, même pour ceux que vous pouvez voir en photo qui sont en sous-bois de conifères, des organismes qui se régénèrent spontanément. La nature veut remplir le vide et veut redonner une dynamique naturelle qui consiste à aller vers cette forêt de feuillus. Donc vous voyez des exemples d'érables sycomores, d'érables planes, de tilleuls à petites feuilles, de frênes élevées, de buis ou de chênes qui sont en train de repousser au pied des conifères. C'est-à-dire que c'est assez facile finalement de changer un boisement de conifères qui pose des problèmes, comme je vous l'ai montré juste avant, en un bois régénéré naturellement et spontanément avec les graines et la banque de graines qui tombe au sol et qui est transportée par les oiseaux notamment. Alors bien entendu, on peut très facilement, pour renaturer les espaces, et ça c'est quelque chose qu'on doit mener de partout, aussi bien dans les espaces collectifs, comme c'est le cas des habitats sociaux, c'est le cas des habitats des immeubles, c'est le cas mais aussi de grands espaces que peuvent être les campus, les hôpitaux, les bords de route, les bords d'autoroute, les îlots de voirie, les dessertes ou les échangeurs. Bref, il y a tout un tas de zones qui sont non fonctionnelles et dans lesquelles on pourrait et on devrait planter des espèces indigènes qui remplissent justement ces rôles de gestion du climat, d'attraction et d'alimentation de la biodiversité. Donc on peut facilement aller les prélever dans une forêt. Ou bien, s'il n'y a pas possibilité d'aller le faire et si vous souhaitez les acheter, en acheter en grand nombre, il existe une marque collective qui est pilotée par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui s'appelle Végétal Local et qui a recensé 11 régions biogéographiques en France et qui liste sur son site Végétal Local les pépiniéristes qui vont prélever dans l'environnement proche des espèces d'individus sauvages qu'ils mettent en culture et qui peuvent vous vendre pour de la régénération et donc accélérer ce phénomène de renaturation par de la plantation active. Voilà. Et donc évidemment, en termes de plantation, c'est pas très compliqué, la nature fait l'essentiel du boulot. On peut d'ailleurs ne rien faire, laisser une friche s'embuissonner, se charger en carbone, les ronces apparaître, les pruneliers, les églantiers, les aubépines, les frênes et les érables qui vont pousser assez rapidement, puis petit à petit vont arriver les autres arbres qui sont très gros et qui vont finir par dominer. Et tout ça, au bout de quelques dizaines d'années, donnera une forêt à dominante de chênes ou de hêtres en fonction des milieux où on est, bien que le hêtre ait tendance à reculer du fait de la sécheresse et la chaleur. Mais malgré tout, c'est le moyen le plus naturel de renaturer un espace. Sinon, on peut planter, comme je viens de vous le dire, avec des espèces indigènes et notamment issues de populations locales. Bien entendu, l'idée, c'est de diversifier les plantations, diversifier les strates, les abords, les contours, reproduire donc ce qu'on appelle une mosaïque d'habitats dans lesquels les animaux vont trouver tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de leur cycle. Animaux, mais c'est valable aussi pour les champignons, pour les bactéries ou pour la faune. Et bien entendu, en termes de gestion, la zone en libre évolution, dans laquelle on n'interviendra pas, la nature fera son tri, les espèces se sélectionneront et on aura un espace renaturé le plus spontané, le plus efficace dans le temps et dans l'espace. C'est aussi là la solution, c'est qu'il faut être un petit peu patient et laisser un peu plus de temps aux arbres pour qu'ils puissent s'exprimer qu'aux plantes à fleurs qui, dans l'année, peuvent faire 1, 2 à 3 cycles en fonction des espèces. Les arbres, c'est au moins 10 à 15 ans avant qu'on en voit vraiment des effets. Et puis s'agissant du fleurissement des herbacées, donc là, pareil, hein, il n'y a ni plus ni moins qu'à laisser la banque de graines s'exprimer, puisqu'il existe une flore spontanée abondante qui est transportée par le vent, qui est transportée par les insectes, qui est transportée par les oiseaux, mais qu'on a tendance à régulièrement faucher. Et je vous invite à laisser un bout d'une prairie, un bout d'une pelouse, un bout d'un gazon, le laisser monter et vous verrez que ces espaces verts dans lesquels pointent de temps en temps des pâquerettes et des pissenlits, si vous les laissez monter, vous verrez que
C'est en général très abondant en fleurs diversifiées et qui n'a pas besoin d'aller chercher des graines. Si vous devez les acheter, il y a aussi possibilité de se fournir en semences locales vis-à-vis du label végétal local que je vous ai indiqué tout à l'heure. Et sinon, en termes de gestion, si vous ne faites rien, les herbes vont monter, vont jaunir, donc ça va se transformer en chaume, ils vont finir par tomber et donc ils vont enrichir le sol en carbone et provoquer cette fermeture du milieu et l'apparition des arbres. Donc on va se diriger vers la forêt. Si on veut maintenir une prairie, la seule gestion qui est à faire consiste à faucher, plutôt que tondre, hein, c'est quand même bien moins délétère, faucher une fois par an et exporter les débris de fauche pour les mettre par exemple au pied d'un arbre, au pied d'une haie pour nourrir et protéger, pailler l'arbre, tout en appauvrissant le milieu, ce qui lui permet d'avoir une grande diversité en fleurs. Donc ne jamais apporter d'amendement, hein, c'est un peu le principe de laisser la fauche sur place, ça amende le sol, ça l'enrichit. Et puis autour, il va falloir réinstaller des bosquets, des haies, puisque les prairies ne sont pas un stade fixe chez nous, c'est le stade forestier, mais les prairies fonctionnent avec des arbres et bénéficient des arbres qui vont capter l'eau en période de sécheresse, capter l'eau en période d'humidité, la redistribuer en période de sécheresse, fournir un ombrage partiel, avoir des feuilles qui vont tomber et donc nourrir le sol en minéraux. Donc les prairies ne fonctionnent pas toutes seules, elles doivent être entourées de points, de zones arborées, c'est ce qu'on appelle les bocages. Et donc, évidemment, vous savez tous qu'on est dans une modification assez violente du climat et se pose la question de l'adaptation au milieu. Est-ce qu'il faut vraiment modifier cette flore? Est-ce qu'elle va se modifier toute seule? Très probablement. À quelle vitesse, hein? Parce que ce n'est pas l'amplitude des phénomènes qui pose un problème. Ce n'est pas la quantité de CO2 ou la chaleur qu'il y a dans l'atmosphère qui pose un problème. C'est la rapidité avec laquelle elle se passe. Donc, est-ce qu'on peut faciliter l'adaptation ou est-ce qu'il faut rien faire? Voilà, je vous invite à poser la question sur ces trois solutions. Ben, on va essayer de donner une réponse. La première des solutions consiste à faire ce qu'on a fait pour le tilleul argenté, par exemple, aller chercher des plantes à l'est de la Méditerranée ou au sud de la Méditerranée. Il vous reste 2 minutes. Pour les rabattre et les ramener dans le milieu, puisqu'elles sont naturellement plus adaptées à la sécheresse et la chaleur. Mais on a vu que ça pouvait poser un certain nombre de problèmes. L'avantage, c'est que c'est censé résister. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. La deuxième solution consisterait à accélérer la remontée des gènes du sud vers le nord, ce que ferait naturellement la nature si on lui laissait le temps. Comme il manque de temps, on peut se dire que transporter des individus du sud de la France, de PACA en Languedoc-Roussillon, le long du couloir du Rhône jusqu'à la région lyonnaise, apporterait des gènes de résistance à la sécheresse et la chaleur, et donc polluerait nos individus dans le bon sens du terme avec ces gènes-là, et accélérerait l'adaptation de nos individus à ce changement climatique. Et la troisième solution, c'est de rien faire, c'est de faire confiance à la nature et de laisser l'opération de sélection se produire. La nature fournira les éléments nécessaires à la colonisation du milieu, puisque chaque arbre fait des milliers, voire des millions de bébés chaque année, et tous ces bébés sont différents et vont s'exprimer dans des milieux plus chauds, plus secs, plus humides, plus frais, vont débourrer ou germer à différents moments. Et c'est la multiplicité des individus qui vont être spontanément laissés à leur vie, qui vont restructurer le milieu et apporter les individus les plus résistants aux conditions qui sont celles qu'on trouve actuellement. Seulement, comme je n'ai pas la bonne solution, comme je ne sais pas lire l'avenir dans une boule de cristal, et que je pense que personne ne peut le faire, ben peut-être que la solution que je vais vous proposer, elle consiste à combiner ces trois solutions, c'est-à-dire ramener des plantes de milieu un petit peu plus chaud, plus sec, favoriser la remontée naturelle des gènes, tout en laissant des zones se régénérer spontanément, c'est-à-dire ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais essayer de tirer large pour ne pas être encore perdant à la fin. Voilà, et donc favoriser la biodiversité, si je dois résumer, ça consiste à installer des végétaux locaux pour qu'ils fournissent de l'alimentation, qu'ils fournissent des espaces de nidification. Ça consiste à retarder, décaler dans le temps et dans l'espace les espaces de fauche, plutôt que de tonte, évidemment, de laisser des gîtes et des refuges, de laisser des tas de bois, de ressalir le milieu, puisqu'on l'a nettoyé en enlevant les pierres, les tas de bois, les trous, les mares, bref, tous ces espaces qui fournissaient des milieux d'accueil, de refuge, de reproduction, d'hivernage, qui sont nécessaires et qui forment la mosaïque d'habitat et la mosaïque de micro-habitat. Et tous ces espaces doivent être reconnectés entre eux, évidemment, parce que sinon on a des effets d'insularité, et donc il est très important de pouvoir les connecter entre eux. Voilà, je vous remercie. Finalement, c'est pas très compliqué si on laisse un petit peu de place et un petit peu de temps à la nature. Voilà, je vous remercie de votre attention. Un très, très grand merci. C'était déjà passionnant. Une première question avant de laisser la parole à Johan.
Qu'est-ce que vous pensez de la végétation embarquée sur les façades? Et si vous pouvez répondre assez brièvement, ce serait super. Oui, bah alors c'est un point sur lequel il faut se pencher, puisque quand on couvre une façade par une végétation, soit une végétation grimpante, soit une végétation retombante du toit, soit un arbre planté suffisamment loin de l'immeuble pour qu'il produise de l'ombre, eh ben les photons, les particules énergétiques du soleil ne vont pas toucher la paroi et donc ne vont pas réchauffer l'immeuble, puisque c'est ça le problème. Les villes sont très minérales, elles accumulent la chaleur pendant la journée et quand la nuit la température baisse, le mur est plus chaud et donc il restitue de la chaleur dans son milieu. C'est pour ça qu'on a des effets d'îlots de chaleur. Donc bien entendu, couvrir les façades avec des végétaux est une des conditions sine qua non pour limiter l'embrasement climatique dans les villes et notamment les îlots de chaleur. Un très grand merci. Alors, on va continuer. Avec Johan, qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Allez, Johan, oui. Dites-nous un petit peu comment on peut voir la biodiversité tout au long des projets. Alors, pour nous, l'objectif, c'était de vous présenter un petit peu que la biodiversité, elle est un peu partout, à n'importe quel moment du projet. Donc, c'est important que ça puisse être dans des projets de construction, de conception, de réhabilitation, mais aussi dès les phases d'entretien ou de gestion de chaque projet. Ce qui est important, que la biodiversité, c'est une démarche qui est assez commune, qui est un peu explicitée de partout. Maintenant, la démarche ERC, éviter, réduire, compenser. Donc l'objectif, c'est vraiment que dans chaque démarche de projet, on rentre dans cette démarche commune. L'important, c'est vraiment cette notion de gain de biodiversité à l'échelle générale. On essaye vraiment de pouvoir intégrer à chaque étape du projet la biodiversité. Du coup, c'est une démarche commune qui commence à chaque étape. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une notion de la connaissance, de la connaissance de la biodiversité du site et de voir après, que ça soit du coup dans des phases de conception, de réhabilitation ou de gestion, comment on arrive à la renforcer, la développer, la préserver. Et les phases d'évitement, du coup, sont très importantes en début de projet. Il faut savoir qu'à chaque phasage de projet, du coup, on peut se poser la question de comment l'intégrer au mieux. On n'est pas obligé de se poser la question, il n'y a pas de mauvaise étape. Plus on l'apprend au début du projet, plus ça sera simple de l'intégrer dans des phases de conception. Mais à chaque étape, on peut se poser cette question. Il y a une complexité opérationnelle qui peut se poser ensuite, et du coup, c'est ça qu'on va aborder sur des exemples un peu plus précis. La première question, donc, comme je le disais, c'est de bien connaître la végétation en place, quels sont les milieux et les habitats d'espèces. Comme l'expliquait Hugues, il y a vraiment une question de quelle est l'écologie des espèces qui sont présentes et quels sont les habitats qui peuvent vraiment permettre de développer la biodiversité sur le site et la renforcer. Donc comment elles s'intègrent dans des trames un peu plus à des échelles du territoire, et aussi du coup comment elles se traduisent à l'échelle du projet. Donc ça passe par comment éviter les impacts sur les emprises, comment on les réduit, où on place les bâtiments, où on place les infrastructures, les équipements, les parkings, et ensuite du coup aussi quel est le projet paysager et comment il vient renforcer la biodiversité. Donc ces éléments-là sont très importants pour pouvoir vraiment s'adapter au mieux et rendre compte d'une biodiversité partagée. Donc là, on revient vraiment sur ce qu'a pu développer Hugues en termes de végétation, sur le choix de la palette, le choix des essences et comment on adapte cette palette végétale avec une diversité de strates, une diversité d'essences aux espèces visées. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment s'appuyer sur l'écologie des espèces et c'est bien ça l'objectif. On peut partir sur une diversité commune, assez anthropophile, mais aussi viser certaines espèces, et c'est bien cette adaptation qui est intéressante. Ce qui est important, c'est d'avoir une notion de vigilance sur beaucoup d'éléments qui peuvent être à prendre en compte dès le début de projet, parce qu'après, on se rend compte qu'en termes de gestion ou d'opérationnalité, on n'arrive pas à les mettre en place, que ce soit des souterrains, les parkings, les réseaux, les distances avec les façades, les distances entre les arbres. Et du coup, c'est important d'avoir bien ces éléments en tête pour pouvoir, dès le début, arriver à s'assurer de la prise en compte de l'arbre et de ce qu'on plante, qu'on va pouvoir le garder sur le long terme en termes de gestion. Ensuite, il y a une notion des modalités d'éclairage aussi, où il est important d'arriver à vraiment avoir les espèces lucifuges, donc qui craignent la lumière. C'est très important dans nos projets urbains et la ville est très forte source de pollution lumineuse. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer des projets dès la conception qui diminuent ces risques-là. Donc d'une part, par une diminution au mieux des éclairages des espaces verts, mais aussi
une diminution de l'éclairage tout court, c'est-à-dire des intersections, des détecteurs de présence, des diminutions de puissance la nuit. Donc c'est vraiment cet objectif-là qui est très important. Et puis des modalités d'éclairage, on va dire vraiment sur le type de lumière, la puissance, les températures de couleur, qui sont plus ou moins impactantes pour la faune, mais aussi pour la santé humaine. Donc c'est important de pouvoir relier vraiment ces deux sujets pour vraiment faire comprendre l'intérêt de sources lumineuses adaptées à la faune, mais aussi du coup à l'espèce humaine. Il y a des enjeux de sécurité aussi et de sûreté publique qui peuvent s'en déduire. C'est vrai qu'on travaille dans beaucoup de projets de renouvellement urbain et c'est jamais évident d'expliquer des projets qui s'éteignent complètement, comment est vécu en termes de vécu des habitants. Il y a vraiment une notion à prendre en compte et de pédagogie à faire à ces sujets-là. Parce qu'on voit aussi qu'il y a des études qui ont été faites qui mettent en évidence qu'il n'y a pas notamment moins d'insécurité quand ce n'est pas éclairé. Donc c'est vraiment une adaptation de ces sujets-là à avoir. Ensuite, par rapport aux périodes de chantier, c'est vrai que c'est, des mesures d'évitement principales qui se met en place sur la plupart des projets. C'est vraiment à quel moment on adapte les travaux qu'on doit faire. Donc que ce soit des travaux de démolition, des travaux de réhabilitation, d'isolation, parce qu'on voit voilà, que chaque, suivant ce qui est fait dans le projet, peut induire des enjeux pour les espèces et ne plus offrir un espace refuge pour les espèces. Donc l'objectif, c'est vraiment d'intégrer ça dès la conception du projet. Et on voit qu'avec les notions de planning généraux, les dossiers réglementaires qui peuvent s'en suivre, les notions de subvention, c'est jamais évident à caler ces phases de travaux au bon moment. Mais ça peut être vraiment primordial pour le respect, la préservation des espèces. Donc il y a vraiment deux notions dans cette notion de période d'évitement. Là, c'est vraiment par rapport à l'impact sur les individus en eux-mêmes, s'ils sont dans l'infrastructure, par exemple, dans des fissures de bâtiments ou des choses comme ça pendant la démolition. Donc il y a vraiment une notion d'adaptation à prévoir qui est très dépendante du coup de l'état des lieux qui a été fait et du coup des espèces qui sont présentes sur le site. Et de ce qui et du coup de la période de travaux qui est impactée. Donc ça se passe surtout pour les démolitions de bâtiments et aussi tout ce qui est abattage d'arbres ou des choses comme ça, débroussaillage. Ensuite, du coup, une prise en compte de la biodiversité dans les chantiers qui est liée du coup vraiment à comment on fait le chantier et comment il s'organise pour limiter les risques de destruction d'individus pendant les chantiers. Donc ça se passe du coup, comme je disais, par les périodes d'évitement, mais aussi sur la manière de faire les travaux. On peut vraiment avoir des protocoles écologiques à mettre en œuvre pour boucher des fissures, faire de l'effarouchement. Du coup, c'est vraiment des mesures qui peuvent être mises en place avant pour essayer de limiter les risques pendant la période de travaux la plus sensible. Par contre, ce qui est toujours compliqué, c'est d'avoir une bonne connaissance du bâti, par exemple, ou des milieux présents. Sur des immeubles de grande hauteur, par exemple, c'est jamais très évident de se positionner pour savoir exactement quelle fissure peut être utilisée pour la faune ou des choses comme ça. Il faut vraiment avoir une adaptation de la situation par rapport au potentiel de chaque élément du projet. Et ensuite, il y a une notion de protocole aussi sur les phases de chantier, sur la question, par exemple, des abattages d'arbres. Ou des éléments favorables comme des mares ou des choses comme ça. Tous les chantiers doivent vraiment intégrer ces éléments-là à l'intérieur de leur conception. Et on le voit que c'est aussi pour des protocoles de gestion ou d'entretien dans les entretiens courants des espaces verts, par exemple, qu'il y a une vraie question de se poser quand on va faire de l'élagage, quand on va faire... Il y a une notion de perturbation des espèces qui doit se poser et qui doit être prise en compte pour assurer un respect au maximum de la biodiversité sur les sites. Donc c'est vraiment très important d'intégrer ça de manière globale et d'avoir une approche très pédagogique, notamment des agents d'entretien, des choses comme ça, qui seront vraiment les acteurs du respect de la biodiversité. C'est pas obligatoirement que de la phase conception qui est importante, c'est vraiment que les plantations qui sont réalisées soient vraiment efficaces et réellement un rôle écologique à l'intérieur des aménagements. Du coup, il y a plein d'autres mesures qui peuvent être détaillées. Ce qui est important, c'est de se rendre compte de l'application qu'il doit y avoir entre les milieux qui sont présents, la biodiversité qui est présente sur les sites. Qu'est-ce qu'on veut développer, qu'est-ce qu'on veut renforcer dans notre projet et comment on le met en œuvre. Voilà, c'est vraiment l'objectif de vous expliquer ça, qu'il y a plusieurs phases, plusieurs étapes et on peut y arriver à chaque moment.
Très grand merci. Alors, quelques petites questions avant de passer à l'invité suivant. Le premier, c'est sur les abattages. Je voudrais juste bien comprendre l'enjeu. Oui. Alors, du coup, l'enjeu des abattages, c'est vraiment la question de que les espèces, en fait, peuvent, que ce soit des lieux de reproduction ou des lieux de refuge, notamment bah, pour l'avifaune, les chauves-souris. L'objectif, c'est vraiment d'adapter ces protocoles pour permettre que ça soit du coup la période d'évitement, donc du coup de faire les abattages quand les espèces ont le moins risque d'être présentes ou sont moins sensibles à un abattage, c'est-à-dire que du coup, quand il y a une nidification, par exemple, d'un oiseau, c'est une période très sensible parce que si on a un abattage à ce moment-là, eh ben, l'oiseau ne peut rien faire et du coup subit de plein fouet l'impact, alors qu'à d'autres périodes, il peut s'envoler et retrouver un autre refuge. Donc c'est vraiment cette adaptation-là qui est nécessaire. Et puis les protocoles, c'est une question en fait de rendre l'abattage plus doux. C'est-à-dire que du coup, les espèces soient moins perturbées, notamment par exemple les chauves-souris l'hiver, qui peuvent être du coup dans des phases d'hibernation, du coup dans l'arbre, dans une cavité d'arbre, et du coup de laisser le temps de la chauve-souris de se réveiller et de pouvoir partir avant de broyer par exemple les troncs. Merci. Je me posais une autre question, c'est que dans ce que vous avez présenté tous les deux, on a plutôt parlé de grands espaces. Et en l'occurrence, pour S-Métropole Habitat, il y a des moments sur nos résidences, on a des petits espaces, des micros espaces. Comment vous pensez qu'on peut favoriser la biodiversité sur ces tout petits espaces qui, en plus, parfois, sont à proximité d'un hall d'entrée ou d'un trottoir ou de bagnole qui vont être très utilisés? Globalement, c'est sûr que ça ne va pas être les mêmes milieux qui sont visés, donc du coup, pas les mêmes, la même biodiversité qui peut être recherchée sur ces types de milieux-là. Donc, il faut savoir un peu comment adapter et avoir, on va dire, l'ambition qui est adaptée à la situation. Et globalement, par exemple, il n'y a pas obligatoirement de petite biodiversité, une biodiversité commune est aussi très importante et on voit qu'elle diminue fortement aussi ces dernières années. Donc, il faut vraiment renforcer la biodiversité là où elle est possible. Et après, un petit espace peut aussi être connecté à une trame du grand territoire. Et c'est très important de regarder cette trame parce qu'un petit espace bien connecté à une trame plus importante joue vraiment un rôle écologique à une échelle plus large. Donc il ne faut pas voir que local, mais plutôt voir global. Oui, complètement. Quand on parle de petits espaces, ça ne veut pas dire grand-chose. Comment il est connecté est vraiment très important. Si c'est un espace résiduel qui est vraiment, on va dire, contraint par des obstacles, de grandes voiries, des choses comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas avoir des continuités écologiques très fortes suivant la sensibilité des espèces, mais réfléchir à des pas japonais ou des choses comme ça en termes de continuité sur de la biodiversité plus commune, d'avifaune ou de choses comme ça, est tout à fait possible. Alors j'ai une autre question, et pour entre autres faire un clin d'œil à notre collègue Samantha Amoroso, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des trames brunes? Alors, du coup, la trame brune, on parle du coup de la continuité des sols. Donc, l'objectif de ces trames brunes, c'est vraiment de réfléchir du coup aux trois strates. Hein. On parle de la trame verte, de la trame bleue, de la trame noire, où j'ai parlé des espèces lucifuges. Et la trame brune, c'est réfléchir aussi aux sous-sols. Les sous-sols sont très importants dans la biodiversité et participent du coup à une biodiversité générale qu'on voit moins, qui est moins, on va dire, remarqué ou on s'en rend pas nécessairement compte, mais joue une grande place dans l'écosystème général. Donc, c'est vraiment nécessaire de favoriser cette trame brune avec des continuités de pleine terre les plus importantes possibles, des bandes plantées les plus larges possibles. On voit dans le milieu urbain que la question se pose assez fortement sur des fosses, sur la taille des fosses, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment aussi développer au maximum cette trame brune avec cette continuité un peu large des sols et pour laisser la végétation se développer au maximum. Merci infiniment, Johan. Je pense qu'on aura d'autres questions sur la deuxième partie de cette heure fertile. Je vous propose de nous connecter maintenant à Jean-Marie, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'un écologue. Jean-Marie, à toi. Oui, bonjour à tous et merci de m'avoir invité donc à ces imaginales.
Et donc, je vais faire suite aux propos de Johan et d'Hugues qui ont déjà posé les bases, hein, qui nous ont montré que la biodiversité, c'était l'affaire de tous. Ça nous concerne tous, hein, puisque dans le vivant, l'homme est inclus. Par contre, l'écologie, c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre cette biodiversité, de mieux l'intégrer dans les projets. Et là, ça fait appel effectivement à des personnes qui vont être un peu plus sachantes sur ces sujets de biodiversité. Alors, on va avoir les naturalistes qui vont être capables d'identifier certaines espèces, les insectes, les oiseaux, la flore, etc. Et puis, mieux connaître aussi le fonctionnement de ces écosystèmes. Comment le site qu'on va étudier est lié aux autres sites avoisinants, etc. Donc, c'est vraiment un scientifique. L'écologue, c'est avant tout un scientifique. Donc, à ne pas confondre avec l'écologiste qui va être un militant pour l'environnement. Même si en tant qu'écologue, on a souvent une appétence pour militer en faveur de la biodiversité. Mais là, ce n'est pas le sujet. L'écologue, c'est avant tout un sachant qui va permettre de mieux cerner les sujets liés à la biodiversité. Et donc, dans le cadre d'un projet, on va vous aider, comme le disait Johan, à identifier déjà tous les impacts potentiels sur les habitats, la faune, la flore. Alors, se mettre en conformité, bien évidemment, avec la réglementation, mais pas que, c'est aussi prendre en compte tous les enjeux liés à la biodiversité ordinaire, liés au sol, etc. Et ça va aider aussi à mieux planifier le projet, puisqu'on va pouvoir identifier les périodes pendant lesquelles le projet peut se faire en ayant un moindre impact sur les espèces les plus sensibles. Et puis, on va permettre aussi au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, de mieux identifier les enjeux et de les prendre en compte dès le tout début. Donc, avant même de commencer normalement l'implantation des bâtiments, hein, ce serait l'idéal, dès les plans d'aménagement, avant même de dessiner les bâtiments, on devrait pouvoir prendre en compte ces enjeux et donc les contraintes aussi en phase chantier, à savoir comment mener le chantier, en respectant par exemple les préconisations expliquées par Johan, pour éviter le moindre impact sur les espèces. Donc on va vous faire un ensemble de préconisations, et c'est en ça que l'écologue va avoir un intérêt dans l'équipe de conception pour améliorer les projets. Alors moi je vais surtout, alors je vais pas vous redonner des notions d'écologie, etc. Je vais plutôt illustrer les propos qui ont été tenus auparavant avec un projet qui se situe dans les Yvelines, dans un ancien parc d'un hôpital dans lequel on avait des bâtiments de recherche également. C'est la commune du Vésinet et la ZAC, donc la zone d'aménagement concerté, s'appelle le parc Princesse. Et dans cette ZAC, on a un projet sur lequel vont devoir s'implanter des bâtiments résidentiels. Donc c'est, alors là, je vais prendre l'exemple à la fois de la ZAC et du lot concerné qui s'appelle le lot C, sur lequel on va avoir des bâtiments à implanter. Alors, au tout début, avant même que le plan d'aménagement se fasse, bien évidemment, il est impératif de faire un diagnostic écologique qui est inclus dans une étude plus globale, plus générale, qu'on va appeler l'étude d'impact. Et cette étude d'impact, en tout cas sur le volet milieu naturel, faune, flore, sol, mais notamment par rapport aux espèces qui ont des statuts réglementaires, donc des espèces protégées, mais aussi des espèces d'intérêt patrimonial parce qu'elles sont rares dans le secteur, par exemple. Ça nous permet déjà d'avoir une carte où on localise les enjeux les plus forts, là où on a des risques d'impact donc très importants, et puis des endroits sur lesquels on va avoir des impacts sans doute un peu plus négligeables. Alors, donc sur le dossier, alors, si vous avez bien vu la zone sur laquelle je voulais qu'on prenne l'exemple, vous avez vu que c'était en rouge, parce que en fait, on est sur un site qui accueille de nombreuses espèces protégées, notamment des insectes dits saprophagophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de bois mort. Donc on a tendance souvent à parler des arbres morts comme étant des arbres à abattre. En réalité, ce sont des arbres qui ont souvent de gros intérêts pour l'abri de certaines espèces, que ce soit les cavités pour les chauves-souris. C'est le cas sur le site, par exemple. On a des colonies de chauves-souris qui s'abritent dans les cavités de ces arbres, de ces vieux arbres. Mais on a également ces insectes qui se nourrissent de bois mort qui se développent, en tout cas au stade larvaire.
Et puis on a des cortèges d'espèces d'oiseaux. On a, suite à la démolition de bâtiments, on a également des espèces assez rares d'insectes qui sont venus s'implanter, puisque la démolition des bâtiments s'est suivie du développement d'une friche. Et cette friche, sur milieu sec, très caillouteux, alors on n'a quasiment pas de sol. Néanmoins, on a quand même des espèces qui sont assez rares, qui viennent s'y implanter. Donc on a vraiment des enjeux assez importants, notamment sur la lisière, là qu'on voit en verte. Et une fois qu'on a identifié ces enjeux, eh bien, il reste à les prendre en compte pour savoir comment on peut mettre en œuvre un projet qui respecte au mieux l'environnement et notamment la biodiversité. Donc ça commence à se concrétiser par un plan alors un plan qui me porte mal son nom, c'est le plan d'abattage. Mais au niveau de la ZAC, on va avoir des fiches de l'eau. Donc par l'eau, on va identifier certaines mesures à prendre en compte. Le constructeur va devoir prendre en compte un certain nombre de contraintes. Donc le constructeur est évidemment l'architecte et l'équipe de conception qui va travailler sur le projet. Donc comme vous le voyez là sur le plan, on voit déjà un certain nombre d'arbres marqués en rouge qui doivent être pris en compte, et c'est-à-dire qu'on doit les préserver dans le cadre du projet. Donc ça c'est important parce qu'on arrive vraiment très en amont. On est capable déjà d'identifier les enjeux écologiques et donc le constructeur qui arrive, l'architecte savent déjà à quoi s'attendre, ils connaissent déjà leurs contraintes et avec quoi, à quoi ils vont devoir faire face. Donc on ne va pas faire table rase comme ça se faisait auparavant, bon, ce sont des vieilles pratiques, mais on ne le fait plus. On ne fait pas table rase, on reconstruit et puis on replante. Là, on fait avec l'existant, on prend en compte le génie du lieu pour ensuite développer notre projet. Et finalement, le projet, bon, on se rend compte qu'il va être faisable à peu près aux endroits où se situaient les anciens bâtiments démolis depuis. Et puis on a une charte développement durable également qui indique un certain nombre de choses à prendre en compte au niveau de l'aménageur, au niveau de la construction. Donc ça implique la protection des arbres, la protection des espèces protégées et puis la programmation du chantier qui doit se faire en dehors des périodes sensibles pour ces espèces, notamment en période de reproduction et de gîte. Alors voilà ce que ça peut donner. Là, on voit bien que les bâtiments finalement vont venir s'implanter entre les arbres qu'on préserve. Ça veut dire que derrière, il va y avoir des contraintes quand même assez fortes, des choses qui vont devoir se mettre en place en phase chantier, puisque à peu près la moitié des arbres là, qu'on voit sur cette projection, ce ne sont pas des arbres qu'on va planter après projet, ce sont bien des arbres qui sont préservés. Donc on va les préserver et on va venir compléter ensuite les plantations. Mais on va bien utiliser le site comme support et comme cadre de vie. Ce qui est également très intéressant, c'est qu'on va proposer aux futurs résidents, aux futurs habitants, un lieu, un paysage qui est déjà très intéressant, avec des arbres vraiment déjà bien développés, des arbres centenaires. Donc un espace riche dès le début. Alors que lorsqu'on fait table rase et qu'on vient replanter derrière, finalement, on ne verra jamais le développement complet de ce qu'on a planté, enfin des arbres qu'on a plantés, puisque par exemple un chêne avant qu'il soit mature, c'est plutôt 80 ans dans de bonnes conditions. Donc on sait souvent ce qu'on dit, hein, on plante pas pour nous, on plante pour nos enfants, c'est un peu le cas. Or là, on vient s'appuyer sur l'existant pour implanter les bâtiments. Ce qui se traduit en phase chantier par des mesures de préservation, de mise en défense. Donc là, on en voit certaines qui sont mises en place correctement, donc avec notamment des palissades occultantes pour éviter les émissions de poussière, mais également un houppier qui va pouvoir être préservé parce qu'on a mis les clôtures de manière suffisamment espacée. À d'autres endroits, on a mis juste un filet au bord de l'arbre, donc là, c'est vraiment pas du tout satisfaisant, puisque là, on peut s'attendre à des dommages assez importants, aussi bien au niveau du tronc qu'au niveau du système racinaire. Et puis, il y a un autre élément important, on a surélevé les clôtures pour éviter que la faune puisse se retrouver piégée. Et ce n'est pas anecdotique, hein, sur ce chantier-là, par exemple, dès la première semaine, le terrassier s'est retrouvé avec un renard qui était sur le chantier qui a pu effectivement décamper du chantier grâce au fait que les clôtures soient surélevées. Donc, le chantier peut s'avérer être un piège s'il est mal pensé, en tout cas pour la petite faune qui se déplace au sol. Alors là, j'ai parlé rapidement du chantier. Ce qui va être important également, c'est de savoir comment on va valoriser le site, c'est-à-dire comment on va recréer des conditions favorables
à l'épanouissement de la biodiversité. Comment on va attirer les espèces qui potentiellement sont présentes sur le site et aux alentours. Ça nécessite de regarder les données bibliographiques, de regarder ce qu'il y a autour du site. Donc quand on fait une étude, un diagnostic écologique, on ne prend pas en compte le site en tant que tel, hein, on ne prend pas que le site sur lequel on va travailler, on prend bien en compte l'ensemble, c'est un peu ce qu'expliquait Johan, hein, on prend bien en compte la trame et on regarde ce qui pourrait éventuellement venir jusqu'au site. Donc ça nécessite de prospecter les alentours et on va identifier en fonction des espèces et de leur milieu les espèces qui seraient susceptibles de venir sur notre site. Et donc ça nous donne aussi des indications sur les espèces qu'il faudrait pouvoir planter, les conditions qu'il faudrait recréer pour attirer les espèces dites cibles. Que ce soit au niveau de la faune ou au niveau de la flore hein, d'ailleurs. Voilà, donc on accompagne le paysagiste. Donc là, c'est un extrait, par exemple, de la palette du carnet paysager, plus exactement du carnet paysager qui a été intégré dans le dossier du permis de construire. Donc on a bien un paysagiste qui a déjà pris en compte l'environnement, le génie du lieu, pour concevoir son projet paysager. Donc, il n'a pas fait table rase, effectivement. Il prend bien en compte le patrimoine végétal présent. Et l'idée dans ce projet-là, c'était de conserver toute la zone boisée et ne quasiment pas y toucher. C'est-à-dire, on la préserve en phase chantier, mais on n'intervient pas non plus en termes de plantation. Donc, on va laisser la banque de graines s'exprimer à ce niveau-là. Voilà, donc clairement au niveau du plan masse, c'est ce qu'on voit, toutes les zones blanches sont les zones de non-intervention. Donc on n'intervient pas, c'est-à-dire qu'on préserve en phase chantier, mais on n'intervient pas non plus en termes de plantation. On laisse s'exprimer ce qu'il y a à ces endroits-là. Donc on est vraiment sur les zones sensibles et on va laisser. Bon. Alors on va recréer quand même un effet lisière. On s'est appliqué pour essayer de recréer un effet lisière sur les côtés en implantant bien sûr des espèces locales, des espèces indigènes et adaptées. En s'inspirant de ce qu'il y a aux alentours. Et puis, on a essayé de faire des modelés aussi pour pouvoir avoir des plantations aux abords des bâtiments, puisqu'avec le terrassement, forcément, on a quand même toujours des problèmes d'export de terre. Donc après, il faut en ramener. Mais il faut quand même que ça puisse servir de support aux plantations. Donc on joue sur des niveaux, des hauteurs de sol, qui permettent aussi l'épanouissement des plantations. Donc ça, c'est un sujet qui est souvent assez peu traité, mais le sol, c'est vraiment un sujet très important dans le sens où c'est vraiment les supports de nos plantations. Donc, à prendre en compte. Et puis, végétalisation du bâti. Ce qui est important, à notre sens en tout cas, c'est de réfléchir aux usages aussi, aux usages futurs. Alors, on a les réserves de biodiversité qui sont indiquées, c'est-à-dire que là, on va être sur des zones qui vont être préservées par des petites ganivelles pour éviter que les gens s'y rendent. Néanmoins, il y a quand même des cheminements qui permettent de se rendre d'un bâtiment à l'autre. Là, on n'est que sur du cheminement piéton uniquement, on n'a pas de voiture sur le site. Et puis, on a des petits espaces qui permettent d'avoir des usages jardinage, compostage, des toitures qui permettent le jardinage également. Et puis des espaces plutôt de prairies. Donc là, on va sur certaines zones gérer en prairie, donc avec de la fauche, avec exportation, et non pas de la simple pelouse. Donc on va essayer de diversifier au maximum les habitats sur le site pour répondre aux besoins des espèces. Et puis au niveau de la palette végétale, alors on n'est pas sur 100% d'indigénat, mais on s'en rapproche avec un certain nombre d'espèces qui sont soit déjà présentes et qu'on va venir renforcer en plantant quelques sujets complémentaires, hein, comme le chêne, le hêtre qui était déjà présent sur la parcelle, des érables également. Et puis on complète avec quelques espèces qui peuvent pousser de manière un peu plus dense, du charme, des cornouillers, des espèces typiques plus du bocage. Alors après, on n'a pas que des espèces indigènes, hein, puisqu'on voit la mélanchier de la marque, par exemple, qui n'est pas indigène au bassin parisien. Petit aparté, l'indigénat, c'est aussi par rapport... Hugues en a parlé, mais l'indigénat, il se réfléchit bien par rapport à la région dite biogéographique. Donc, une espèce indigène, elle n'est pas forcément sur l'ensemble du territoire français. Là, on est dans les Yvelines, donc on va être rattaché au bassin parisien. Mais au niveau de Lyon, ça va être plutôt le bassin rhodanien.
Plus au sud, on va être lié au bassin méditerranéen, etc. Et en fonction du lieu où on est, on ne va pas forcément avoir les mêmes espèces. Jean-Marie ? Oui. On va aller vers la conclusion, oui. S'il vous plaît. Oui. C'est bon pour cette partie. Est-ce que vous pouvez... Oui. Ben voilà, c'était... Oui, alors, pour la conclusion... non, il y a une ou deux slides qu'on sautait, il me semble. Alors, est-ce que mon micro est actif ? Ouais, super. C'est possible qu'on enlevait quelques diapos, normalement. Oui, on finissait sur celle-là. Oui, je voulais rapidement parler de la gestion aussi, puisque une fois qu'on a mis en place le projet, donc c'est une chose. Derrière, il faut que les gens, les résidents puissent s'approprier ces espaces. Donc c'est important aussi de faire des animations, remettre des livrets gestes verts, accompagner les résidents pour qu'ils s'approprient les aires de compostage, de potager, même participer aux premières plantations, ce genre de choses. Et puis pour les gestionnaires, remettre un plan de gestion écologique, les former, comment on fait de la gestion écologique, comment on fait de la gestion différenciée, pour faire en sorte que ça puisse vivre et qu'on atteigne finalement les objectifs qu'on s'est fixés en conception. Un très grand merci. Une première petite question en ce qui vous concerne, Jean-Marie. Qu'est-ce que vous pensez de la création de zones sanctuaires ? Eh bien, alors, ça dépend ce qu'on appelle zone sanctuaire, mais en général, une zone sanctuaire, c'est une zone de non-intervention. Donc, on laisse se développer, s'exprimer la banque de graines. Donc, c'est très intéressant ça me semble très intéressant en tout cas sur les zones où on n'a pas d'usage forcément prévu, où on peut se passer des usages. Après, est-ce qu'il faut vraiment interdire l'accès à ces zones? Est-ce qu'on ne peut pas laisser quand même les gens cheminer, récolter les fruits qui poussent dans les arbres, qui tombent au sol, les châtaignes, etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut vraiment sanctuariser dans le sens où on empêche même les gens de rentrer dans la nature? Je ne suis pas sûr que dans un projet urbain, ce soit une bonne idée dans le sens où ces espaces de nature, c'est aussi des espaces dans lesquels on va développer des liens, une relation avec ces espaces et gagner un peu en empathie par rapport à la nature. Après, dans des milieux vraiment naturels sur lesquels il y a des enjeux très forts de préservation de certaines espèces, où l'homme peut induire un dérangement très important, la question peut se poser. En milieu urbain, ça me semble un peu moins pertinent. Bon, c'est vrai que je me disais qu'il y a plein de magnifiques parkings où la nature n'a plus sa place. Il y a bien deux temps en trois où on peut dire à la nature qu'elle est tranquille, même en ville. Mais on a bien entendu tout ce que vous nous avez dit. Alors, on a une autre question pour vous, Jean-Marie. Pourquoi certaines espèces non indigènes sont implantées ? Est-ce que c'est uniquement pour des raisons esthétiques ou elles ont un intérêt écologique ? Et on vous demande, Jean-Marie, si c'est possible de faire des réponses assez courtes, puisqu'on a pas mal de questions, alors, aussi pour les autres invités. Alors, il y a plusieurs réponses, finalement. Les espèces non indigènes, parce que souvent, ce sont les espèces qui sont proposées en majorité par les pépiniéristes, par les horticulteurs. Elles ont la faveur des paysagistes, et puis aussi des résidents, des personnes qui y vivent. Donc on a ça. On a aussi, on a oublié de temps en temps, toutes les espèces potagères, hein, qui bien souvent ne viennent pas de chez nous, qui sont quand même plantées, pour autant, elles peuvent avoir un intérêt pour notre nourrissage. Bon, donc ça, c'est des éléments, c'est les premiers éléments que je peux donner. Merci beaucoup. On avait une question pour Hugues. Vous êtes encore avec nous, Hugues ? Juste, toutes les espèces non indigènes ne sont pas invasives. La plupart ne le sont pas, donc elles ne posent pas de problème. Mais par contre, il faut être vigilant, surtout sur ces espèces qui peuvent se développer spontanément et qu'on a du mal à gérer et qui peuvent poser problème après en rentrant. Merci Jean-Marie. Oui. Des réponses courtes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hugues, est-ce que vous nous entendez ? Attention, Hugues, vous êtes avec nous ? Oui. Super. On a une question avec des mots qu'avec Paul, on ne connaissait pas. Donc, on va essayer de bien vous la poser quand même. Dans le cadre d'un retour à la nature d'un sol artificialisé, quels auraient été les impacts de cette artificialisation si les macro-microporosités des sols ? La question est claire ? Pas du tout.
Mycorhizes, c'est quoi les mycorhizes? C'est les champignons, c'est le système mycélium des champignons qui est connecté aux racines. Myco, c'est champignons, rhizes, c'est les racines. Et mycorhizes, c'est la jonction entre les deux. Parce qu'en fait, les champignons assurent le nourrissage d'une partie des éléments dont l'arbre a besoin pour vivre et lui rend, en échange, alors notamment de l'eau. Hein, les champignons pénètrent le moindre espace pour capturer les molécules d'eau qui traînent et nourrissent les plantes, notamment les arbres. Et les arbres ou les plantes en général restituent des sucres aux champignons. Donc c'est les plantes. D'où l'intérêt de désimperméabiliser. Eh bien oui, si on désimperméabilise, il ne reste pas forcément des mycorhizes. Mais en général, quand on désimperméabilise, il y a nécessité de décompacter ou d'apporter, d'ensemencer avec un levain forestier, par exemple, donc sur le même principe que tous les levains qu'on peut utiliser dans l'alimentation. En apportant un peu de couche humifère d'une forêt, on va ensemencer. C'est comme le pain, il faut faire lever la pâte. Comment ? C'est comme le pain, il faut faire lever la pâte. Exactement, en fait on apporte des micro-organismes dans la farine avec l'eau et ça fait lever la pâte, donc elle se transforme. Et de la même manière, on apporte des micro-organismes forestiers dans un sol carboné et enrichi en compost pour que la vie se redémarque et que les micro-organismes assurent leur fonction écologique et notamment que les mycorhizes puissent s'installer, ce qui permet aux plantes de pousser et de germer pour un certain nombre. La plupart des plantes ne peuvent pas pousser sans mycorhizes, si ce n'est des plantes très beaucoup. À des milieux. Merci. Alors, il nous reste 2 minutes, du coup, on va essayer de prendre les questions qui arrivent. La première, c'est comment bien intégrer un écologue dans un projet ? On va dire c'est pour Jean-Marie. Merci. Alors, ça doit être sur la question de... Oui, alors, l'étude d'impact, oui, forcément, il faut un écologue. Après, pour les plus petits projets où on n'est pas soumis à l'étude d'impact, c'est possible. Et souvent, alors malheureusement ou non, c'est souvent des projets qui visent une certification, un label environnemental. Donc on a du HQE, du BRIM, du Biodiversity, du FI Nature. Et c'est dans le cadre souvent de ce type de projet où un écologue intervient en plus. Merci. Alors une autre question. Je voudrais quand même, avec EMH, mais... avancé où EMH nous a sollicité en tant que naturaliste pour venir sur l'exemple de la friche de Champollion bien avant que les travaux soient décidés. Et donc c'est là où on inverse le processus, on fait venir les naturalistes et les écologues en premier lieu pour, comme l'ont expliqué Jean-Marie et Johan, on maintient l'existant avant de réfléchir à ce qu'on pourrait y faire. On maintient l'existant. Merci Hugues, c'est gentil. Merci, c'est gentil de le préciser. Une autre question, est-ce que le système du mulch ou du paillage est toujours opportun? Alors, on va demander à Johan qui est avec nous, vous savez. Oui, du coup, globalement, ce qui est important, le mulch et le paillage, quoi, ça dépend un peu la forme de ces éléments-là, mais ce qui est important, c'est vraiment pour limiter l'évapotranspiration des sols et du coup d'offrir des conditions climatiques un peu plus favorables, notamment quand on vient de planter. On a souvent du coup des sols qui peuvent être secs, des plantations qui ont besoin d'eau. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de limiter l'évapotranspiration des sols et du coup de garantir des conditions un peu plus favorables à la plantation. Alors, une autre question avec une réponse en oui ou non. Est-ce que les hôtels à insectes qu'on voit un peu partout sont des mobiliers intéressants, pertinents? Oui, sur le principe. Merci beaucoup. On va aller vers la conclusion de ces imaginales. Du coup, avec Paul, on va remettre notre tenue de biodiversité. Terre, merci. Alors, clin d'œil pour la fin. Je vous invite les uns les autres, si vous avez envie de passer un bon moment, à lire un bouquin incroyable sur la biodiversité, je vous conseille un livre qui s'appelle « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot. Il nous parle de la relation avec les loups, de la relation avec la nature et entre tous les vivants qui vivent aujourd'hui sur cette belle planète Terre. Ensuite, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'en mettant plus de biodiversité, plus de nature en ville, eh ben, on allait climatiser un peu tout ça, et que grâce à ça, on allait se sentir mieux. Pour parler de biodiversité, il faut être Jones. Il faut rester connecté. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Vous en avez parlé tous les trois. Donc, on va regarder comment rester Jones. Et puis, j'ai aussi entendu qu'on allait planter pour nos enfants. Donc ça, je ne vous cache pas, ça me fait plaisir. Pour ma part, j'ai trois beaux enfants, de me dire que tout ce qu'on peut faire maintenant, ils vont en profiter demain, et que ça sera un des cadeaux qu'on pourra leur laisser, puisque parfois on a l'impression qu'on va aussi leur laisser 2-3 trucs qui ne sont pas
Pas magnifique. Et puis avec les projets présentés notamment par Jean-Marie Fournier, on a pu voir qu'on pouvait rendre des projets vraiment désirables. Moi, franchement, j'ai envie d'habiter dans cette nouvelle résidence avec des arbres qui ont déjà 30 ans d'existence. Merci beaucoup, Paul, pour cette précision. C'est vrai que c'est important. Alors, on vous invite pour le dernier rendez-vous des Imaginales de l'Habitat Fertile, la plénière de clôture, 14h30, 16h, mardi 30 novembre. Je pense que maintenant, vous commencez à l'avoir en tête. Un immense merci à nos trois invités. Vous avez été topissime et le sujet s'y prêtait bien. Merci Gabriel. Merci Paul. Et à vos graines.